Je m'appelle Souka Enaïji, j'ai 19 ans. Tu fais quoi là? Vous faites quoi? On est à la cité portugaise. C'est super joli, c'est très apaisant ici. Ça se passe bien votre semaine? Oui, ça se passe bien. Ouais. La vie de tous les jours, tout ça, les copines? Je les connaissais à peu près toutes et y en a quelques-unes que je connaissais pas. J'ai appris à faire leur connaissance et elles sont toutes très gentilles, très sympas. Qu'est-ce que t'attends de cette semaine, toi? De nouvelles rencontres, de nouvelles expériences et apprendre de nouvelles choses dans le domaine du mannequinat. Tu souhaites venir? Bah oui, comme toutes les filles. On doit écouter les consignes et on doit être professionnel. On doit travailler dur. Le mannequinat, c'est un peu mon rêve de petite fille. Et voilà, j'ai passé le casting. Et on m'a prise et j'ai été super contente. Je fais des études en littérature anglaise. J'aime bien la lecture, j'aime bien lire. Je suis très littéraire. T'as ramené des bouquins pour cette semaine? Oui. T'as ramené quoi? Jane Eyre de Charlotte Brontë. D'accord. Je viens de le commencer. Okay. On continue la visite? Oui. Coiffure, en fait on a besoin d'un peu de volume parce qu'on va shooter en extérieur, donc avec le vent ça risque de défaire un petit peu les boucles et d'aplatir les cheveux, donc on fait un travail d'extension. Parfois on fait des croquis, sinon la plupart du temps on cherche plusieurs idées sur le net, sur des banques d'images, on va s'inspirer pour une chose d'une coiffure, pour une autre chose d'une autre, et on mixe un peu le tout. Yeah, we visited the places today in the morning. We did the fitting with the photographer. So we went to see the locations and it was really, really nice. It's going to be amazing. But I'm not going to tell you yet. You will see. Bonjour. Ça va? Très bien. Ça se passe comment aujourd'hui? Très bien, comme d'habitude. Tout va bien, on prépare avec mes stylistes ici présentes le shooting qui commencera dans 20 minutes. Hi, my name is Irina Novikova, I'm from Latvia and we're here in Casablanca for the Metropolitan Model Contest. I started modeling 7 years ago, and since then I've did a lot of shootings and everything, and voilà. Is it your first time in Morocco? No, I've been to Marrakech before, and it's first time in Casablanca. Vraiment, tu contrôles absolument à chaque fois.
son t-shirt sont bien mis. Ok les garçons. Ready? Okay, Rina. Play. This is your day. Oui. Move. Voilà. Super. Recule. Just a little bit. Yeah. Move your legs. Yes. Again. Yes. Stop it. Okay. But I'm very straight. I don't do anything like with the legs, nothing. You do what you want, let's go. You can just rip out my heart. You can just tear me apart. You can say anything you want. Anything you want. You can just rip out my heart. You can just tear me apart. You can say anything you want. Ouais. Ok, un peu tombé. Perfect, honey. Is that? Yeah, it's finished. C'est bon. Non, je vais pas garder la première. On va. Il y a de la matière en tout cas. Il y a de la matière. Yeah. Love. Yeah, it's lovely. It's fun, lovely. Oh. Great. This one. So nice. You can just rip out my heart. You can just tear me. It's great. I love the team. Everything is just amazing. What else can you wish for? We have amazing weather, great people. You can just rip out my heart. You can just tear me. Oh, I love this one. So nice. My heart is beating. I didn't have quite chance to see them all. I've seen couple. I think they're really interesting personalities, and I can't wait for the finale to see how they're gonna represent themselves. Le jury présent donc avec Michel qui est le président directeur général de l'agence parisienne et trois mannequins qui sont Juliana, Irina et Chloé, vont délibérer dans un jury par rapport effectivement au casting qui a été fait au Maroc. Et la gagnante aura un contrat métropolitain, elle partira à Paris, elle aura un contrat signé et elle sera confrontée pour de vrai à l'international et dans des castings, dans des défilés et j'espère que ça se passera très bien pour elle. Maintenant, ce que je souhaite, c'est que la gagnante ait une belle carrière, qu'elle s'investisse à fond, parce que c'est un métier qui est difficile. Ça sous-entend une hygiène de vie irréprochable, ça sous-entend surtout être pro, c'est être à l'heure, c'est avoir le sourire, c'est avoir la pêche, parce que la concurrence est rude. Des belles filles, il y en a partout, mais en même temps, heureux de me dire qu'il va y avoir une représentante marocaine qui sera enfin à l'international et qui pourra travailler à l'international. Merci. Do you have an advice for them? Yes, I advise them to be determined. They really have to know what they want. They really have to be passionate. And whatever happens, like there will be ups and downs, just stay positive and do what you want.